Pour moi, c'est une vraie chance de travailler avec Dermfor et avec Vision, parce que c'est à la fois des entreprises qui ont le souci de l'efficacité, de la technologie, et en même temps, il y a un très grand respect des gens et un très grand respect de l'environnement. Donc à la fois, il y a un souci d'excellence, et en même temps, il y a une très grande compatibilité entre les cultures de nos entreprises. Je travaille depuis plus de 15 ans sur les plantes et sur les actifs de plantes. Et il y a 10 ans, nous avons créé un laboratoire de développement cosmétique à Paris avec Jean-Claude Lejolife, qui est l'ancien directeur de la recherche de Chanel. Et donc depuis 10 ans, nous servons à la fois des clients français et des clients étrangers pour leur amener le meilleur de la technologie française en cosmétique. Donc pour Vision, on est en train de développer des produits qui sont à la fois extrêmement poussés techniquement et scientifiquement. Donc on y intègre les dernières innovations technologiques en termes d'actifs naturels. Et en même temps, on le fait avec un très grand souci, un très grand respect du développement des produits et un très grand respect de la nature et des consommateurs. Donc ça a été un très grand plaisir en fait de pouvoir partager ce moment sur l'estrade avec l'ensemble des personnes et des membres de Vision. C'est un moment énergique, extrêmement fort, et j'espère que j'aurai l'occasion de le refaire prochainement. Bon, j'espère que surtout que les produits vont plaire. Moi, nous, on sera extrêmement intéressés par avoir des feedbacks. On y met beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Donc on espère que ça va se sentir au niveau des distributeurs. Et j'espère qu'ils arriveront à passer cette passion et à la transmettre également à leurs clients et à leurs consommateurs. Pour moi, ce que je souhaiterais souhaiter aux distributeurs de Vision, c'est à la fois beaucoup de bonheur et de très bons produits. C'est vraiment les deux moyens, les deux remèdes pour rester le plus jeune le plus longtemps possible.